Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur notre nouvelle vidéo. Donc, je vais vous donner des vidéos tous les mercredis et une aussi en fin de semaine sur différents domaines. Ça peut être des HIIT, des circuits renforcement musculaire sur le bas du corps, sur le haut du corps. Ça peut être des circuits aussi sur abdos gainage. Donc aujourd'hui, nous voici sur un circuit HIIT. Donc 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, 4 tours. 5 mouvements pour brûler un maximum de calories en un minimum de temps. J'espère que vous êtes prêts à bouger. Let's go! Petite chose avant de démarrer, pensez à vous échauffer entre 5 et 10 minutes sur des mouvements musculaires comme le squat, les fentes, la chaise, ces mouvements-là qu'on va avoir. Et ensuite, vous vous échauffez sur des montées de genoux, des jumping jacks. Voilà, vous échauffez sur ces deux facteurs-là. C'est très très important. Pour vous expliquer la séance, donc on va avoir squat, fente en kick. Un mouvement cardio, je vous laisse la surprise juste après, et on finira aussi sur la chaise. Donc, let's go! Premier mouvement en squat position, mise en place, les pieds largeur épaule, c'est parti, amenez les hanches vers l'arrière et remontez, inspirez et soufflez. Je vais tout de suite vous donner une deuxième option, ici en extension de cheville. Vous allez engager un peu plus le cardio, vous allez engager aussi les mollets. Autrement, restez sur la première option. De toute façon, je vais vous donner d'autres options au fur et à mesure de la séance. On a 4 tours pour transpirer. Allez. Ok, récupère. Deuxième mouvement, fente en kick. Je vais vous montrer tout de suite une option. Jambe droite devant. Hop, le pied derrière, c'est parti. Je descends, je monte, je kick. Je poste, je descends et je remonte et je pique. Ça peut être plus fluide. Hein. Votre monde sur moi, vous restez en statique. Vous choisissez. Je vous réserve une troisième option par la suite. Inspirez, soufflez. Voilà. Regardez les épaules, alignement des hanches. Et récupérer. Mouvement cardio. Un grand pas vers l'avant. Le jump. Et je reviens. Ici, ici. Tac, tac. Si vous voulez pas un pas tout seul. Ici, ici. Hop. Et je remonte. Ici, ici. Hop. Vous pouvez décoller juste au niveau des talons. Hop. Et je reviens. Un grand pas. Tac, tac, tac. Et je reviens. Allez, tous ensemble, hein, lâche pas. Hein. Encore, encore, encore. Ok. On a fait la front kick tout à l'heure. Jambe droite devant, jambe gauche. Allez, on se positionne, ça va repartir. Ici, inspirez, soufflez. Comme je vous dis tout à l'heure, en statique s'il faut. Point, tac. Pensez en priorité à votre posture et pas à l'intensité. Dès que votre posture est bonne, vous pouvez commencer à mettre de l'intensité, mais pas l'inverse. Allez, go. Et récupérez. Ok, la chaise. Soit dans le mur, ou soit sans le mur, je vais vous montrer. 2, 1, ok, ici. Amenez les épaules vers l'arrière, mettez les mains sur les épaules et un dos bien, bien droit. Voilà, allez. Là, on commence à sentir que le corps commence à monter en température. Alors, on va arriver au deuxième tour et je vais commencer à vous donner d'autres options. Allez, encore, encore, encore. 3, 2, 1, et récupérez. Ok. Premier round, fait. Vous vous rappelez bien, on commence par le squat. Ici. Ok, ici, deuxième option, extension de cheville. Trop facile pour vous, en jump. Alors, pensez à bien amortir et contracter les abdos. Arrivez en bas, à la descente. J'amortis. Je reviens, prendre deux pieds talons.
tout de suite le cardio pour augmenter la tension dans les cuisses aussi. Les pas voisins. Essaye d'amortir au mieux que je peux. Voilà. Yes. Ok. Fente, pied droit devant. Ok, ici. Hop. Et je kick. Rappelez-vous, vous avez l'option moi. Ici, cassez bien le genou devant et derrière. Ne vous penchez pas trop vers l'avant. Revenez droit. Tac. Et je reviens. Hein, j'engage mon fessier, ma cuisse au maximum. Et yes. Mouvement cardio. Option plus. Prêt ? Allez, let's go. Ici, ici, je jump et je roule si vous voulez. Je jump et je roule. Ou ça c'est là. Comme vous voulez. Et je décolle. Hein, décoller. J'amortis. Et je roule. Contact les lèvres. Jumpez et revenez. Hop, hop. Ok. Jambes gauche devant. Ok. Allez, tous ensemble, hein, c'est bien. Bonne main qu'on lâche. Hein. Inspirez, soufflez. Donnez un maximum d'oxygène. Hein. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse vous concentrer. Le fessier, la cuisse, les abdos pour garder ma posture. La chaise, option plus. Ok, les pieds larges dans la poêle, descendez. Ok, ici, des petits et bloqués. Ok, petit ici. Ok, bloqué. Allez, il reste 15 secondes, même pas. Ok, bloqué. Là, on sent les cuisses qui se déchirent. Ici, revenez en petit. Ok, bloqué. Ah, mais bien les épaules dans l'arrière. Hein. Ok, deuxième round de fait. Il nous en reste encore deux. Allez, on reprend le squat. Squat classique. Squat en extension de cheville ou en jump. On choisit la jump direct. Ce qui est vraiment important, c'est revenir, prendre deux pieds talons et amortissez en contractant à chaque fois les abdos. Ça peut être des petites jambes hein, ou des grandes jambes. C'est comme vous voulez. Allez, on transpire tous ensemble. Yes. Jambe droite. Allez, je mets une option plus. Ok, on jump ici. Pour ceux qui sautent, ça demande de la maîtrise. Donc faites attention. Hein. J'amortis. Et je jump. Il faut qu'il ne reste plus que un tour après. Ok, ok, cardio. Allez, c'est reparti ici. Un grand pas vers l'avant, un grand jump. Ici, clac, et je reviens. Ici, clac, clac, clac. Allez, 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 là. On lâche pas, je vous vois pas, mais. Lâchez pas, continuez. Rappelez-vous que vous avez plusieurs options.
un grand pas, un squat, je remonte et je repars. Hop, hop, et je repars. Un grand pas et vous découlez. Allez, fente gauche. Rappelez-vous, je mets une troisième option. Inspirez. Soufflez bien au sol pour décoller. Coordonnez avec le haut. Ici, tac. La chaise. Allez, 3, 2, 1. Ici, ce que vous allez faire, vous allez venir amener les genoux vers l'extérieur et revenir. Décoller l'intérieur du pied et revenir. Vous allez engager les petits moyens fessiers. Clac, et je reviens. Ici, on sent aussi à l'intérieur que ça tire. Hop. Voilà. Toujours posture bien droite. Hein. Hop. Ok. On arrive au dernier tour. Courage tout le monde. C'est maintenant. Si vous n'avez pas pris les options plus, vous pouvez les prendre maintenant. C'est le dernier tour. On a toute la journée pour récupérer. Allez, on se passe. Ici. Comme je le dis, poussez bien vers le sol pour décoller. C'est normal que ça brûle, c'est normal. Ok. En droite. Soit en statique, soit en kick. Ou soit en jump, je vous remonte tout ça. Allez, ici, tac, rapide, engagé, puissant à la jambe, et prends ici, clac, clac. Autrement. Yes, on arrive au bout, on arrive au bout. Allez, préparez-vous ici. Hop. Et revenez. Plein de petits pas. Et tac, tac, tac. Hop, hop. Deux mouvements, en gauche, deux, un, ok, ici pareil, vous sentez, dernier mouvement, la chaise. Let's go. Ensemble, les petits. Tac. Bloqué. Ouvrez. Fermez. Les petits, ici. Ok, ouvrez. Bloqué. Ouvrez. Fermez. On est sur les petits. Bloqué. Ouvrez. On est ici. Bloqué,
ouvrez, fermez, ici, 3, 2, 1, ok, séance de HIIT terminée, j'espère que ça a été de votre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, salut.